Le miroir, c'est... C'est le miroir, quoi. Il faut tenir l'équilibre, parce que si vous glissez le moindre rien, c'est la chute. Il y a pas mal de gaz. Puis c'est un peu péteux à des endroits. 450 mètres de dalle calcaire, orienté nord-ouest, une quinzaine de voies, assez technique. Il y a juste un doigt. C'est une des plus belles. C'est une voie en 7B, 7C. Il faut rester calme, il faut regarder. Avec quelques passages en 8B, mais alors... D'ailleurs, on pensait toutes les avoir grimpées avec Cindy, mon ex. Oui, avec Joe, ça fait 5 ans qu'on est séparés. Bah, il voulait s'engager, puis moi, j'avais besoin de... Ben, de mou, quoi. Mais on s'entend hyper bien en montagne. Ouais, vas-y, hop, je te tiens quand même. Hein. Hop, Joe, non, vas-y. Ensemble, on pensait avoir tracé toutes les voies du miroir, jusqu'à mardi passé. Je veux faire un voyage à la déchette pour faire un peu de place. Joe, il stocke toujours un de ces bordels. Et là, outre ma collection de cassettes vidéo de cul et bon monoski, je tombe sur un truc de malade. Le carnet de guide de mon arrière-grand-père, Adrien Beauchâtel. Ce personnage-là, pour nous, c'était... Je sais pas, des gens qui venaient d'ailleurs. Le type que t'y fallait emmener des roast beef autour d'Aï, il partait à Pince jusqu'à les Indes, donc. Les gars, c'était des machines. Et en lisant ce carnet, j'apprends que ce vieux caillou a ouvert une voie qui n'est pas indiquée sur les topos. Une voie qu'il a baptisée « À toi la gloire ». Il se l'a pété un peu, l'ancêtre, hein. « À toi la gloire ». Non mais. Et à partir de ce moment, Joseph a dit « Cindy, on va trouver cette voie. » Et on va grimper cette voie. Comme on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre, on a décidé de partir à l'aube, alors on dort ici cette nuit. Ouais, mais pas ensemble. Hein. Bah non. Ouh, mais qui voilà ? Ouais. Salut Beauchâtel. Salut Jacquard. Dis donc, on pensait pas qu'on passerait l'arête en moins d'une heure et demie, pas vrai Maxence ? En plus, on a fait soft. Hein. Oh, on a fait soft et on est juste dans le timing, tu vois, il commence à pleuvoir. Allez, on se fait un petit reel ? C'est clair. À tout à l'heure dans le dortoir, les loulous. Hein ? Salut les copains, c'est de Maxence. Alors aujourd'hui, voilà, on est super contents. À l'époque, que... niveau matos, c'était tricounier, corde de chanvre et basta. Aujourd'hui, les types, ils se tapissent de Gore-Tex pour aller faire pisser leur clébord. C'est quoi ces gars ? J'en sais rien. Mais on s'est pas laissé déconcentrer. Ouais, et là, on est allé voir Marcel. On doit aller qui en plus ? Ouais. Marcel, Rémi. Jusqu'au sommet. Comment ça va là-haut ? La légende de la grimpe en Suisse. Ah, il est là. Salut Marcel. Salut Marcel. Ça va? 99 ans, dernier miroir à 94 ans, quoi. Est-ce que t'as déjà entendu parler d'une voie qu'Adrien aurait ouvert et qui s'appelle « À toi la gloire » ? Là, Marcel explique que oui, il en a déjà entendu parler en juillet 1931. Cet été-là, encore gamin, il donnait un coup de main au refuge de Solalé. Un jour, Adrien débarque avec une cliente suisse allemande, Madame Schneeberger, vaillante alpiniste, première dame à conquérir le Stockhorn. Elle était belle comme un soleil. Son sourire hypnotisait et la langue qu'elle parlait était un peu... bizarre. Adrien, toujours farceur, a voulu lui faire une blague en lui servant un verre d'eau qui, en fait, était un verre de gnôle. Pas folle, la guêpe. Le lendemain matin, Madame Schneeberger a demandé à Adrien de partir à l'aventure en ouvrant une nouvelle voie secrète dans le massif du miroir. Et Marcel les a suivis à la jumelle. Même avec autant de kilos compteurs, il se souvient exactement où démarre cette voie secrète. Il nous explique qu'il faut se gaffer en arrivant sur le névé à Morayon, parce que là, un poil après, faut partir à... Faut partir à droite. Donc, un peu à droite du névé, alors. Voilà. C'est ça. Ça veut aller. Ça veut aller. Ça veut aller. Et bien entraîné, il n'y a pas de problème. Bon. C'est toujours la même chose. Merci Marcel. À bientôt. Je s'accaille, hein. T'essaieras de pas trop ronfler, hein. Oui, t'es con. Dis donc, le crux, tu l'as bien géré, franchement. Ouais. Mais à mon avis, 9C, 9C+, c'est légèrement surcoté, si tu vois ce que je veux dire. Ça fait du bien de se baquer un coup dans la rivière glacée. Wim Hof style. À mon avis, elle devait être à 5 ou 6 degrés.
Bon bah, on essaiera de pas vous réveiller quand on part à 4h du mat. Et dites donc, ça vous dérange pas si je fais une toute petite série de pompes avant de dormir? Il a dit à droite. Ouais, mais là, il y a un autre bébé, donc tu prends quel? On a un tout petit peu galéré pour trouver le départ. J'en sais rien, moi. Bah, moi non plus, j'en sais rien. Donc là, on a fait comme il a dit, on est parti à droite du névé. Ouais. Non, ça fait chier, non, mais je peux pas. Allez, bordel! Mais tu vois bien que là, il y a rien. Pidgeot, évidemment, il écoute pas, alors c'est vrai qu'on a cherché pas mal. Allez, vas-y, vas-y, va regarder. C'est là-bas. Viens! Ah bah tiens! Viens! J'y avais pas pensé que c'était là-bas. Je me suis fié à mon bon sens d'orientation. Pif paf pouf, assez rapidement, j'ai trouvé le départ. Tchou! Le Baudard, enfin tout le matos, et puis on est parti quoi. C'était parti. Hey. Fais-nous la gloire, mon gars. Au début, faut être bien réveillé. Ouais. Ça commence avec un 6, c'est assez engagé. Ah, allô. Très beau le début, très fluide, et puis vraiment une bonne entente, bonne communication. Ah bah du mou ! Oui, bah ça du mou ! Ouais, c'est bon, c'est bon, voilà. Après, là, t'as une sorte de petite vire, tranquille, où tu peux faire une pause. Hé hey, tu regardes pas en bas ? Je regarde jamais en bas. Derrière, tu l'as fait un jeté sur une réglette. Mon gars, mais là, t'es sur l'index. Enfin, hein, touch you. Merde. Ouais, j'ai un peu transpiré, mais franchement, c'était beau. Ah, chier. C'était fluide, j'ai fait des beaux mouvements. Tac. Merde. Elle tombe. Oui, je sais que je dois prendre le machin. Franchement, j'étais déçue, c'était presque un peu facile, quoi. Puis après, on a continué, là, tac, paf, la partie miroir. Là, tu sens le gaz. Et là, c'est... Ouh, ça, feu, si, qui, qui, ta. Donne-moi du bout. Sac, sac. Puis t'es là, chien. Pour faire le passage. Puis ça, puis feu, puis cul, puis zac. Après, c'est... Je suis un petit peu à bout, donc Cindy me dit, t'inquiète, Chou. Enfin, pas Chou, mais Joe, je m'occupe. Et on est là ensemble, et on est avec Cindy. Et c'est beau. Ben, c'est long, hein. C'est beau, mais c'est long. Cette voix, on l'a fait ensemble. Ben, c'est un peu notre bébé, quoi. Enfin, celui qu'on n'a jamais eu. Vas-y, viens ou quoi ? Oh, c'est bon, j'arrive. Quart d'heure plus tard, on arrive au sommet, à la haute corde. Cindy. Oh, bravo, mon Joe. Oh, c'est magnifique, non, mais t'as vu ça? Et là... Ah, t'as tête au veillon, grand muvrin, petit muvrin. Non, c'est un autre, ça. Ah ouais, c'est juste, ouais. Vous allez jamais me croire. Salut, les gamins! C'est qui? C'est Adrien. Tu fous quoi, là? J'aime bien venir hôter ce coin de temps en temps. D'ailleurs, je vous ai vu grimper, hein. Vous l'avez roté sur le dernier becquet, là, hein. Ah, c'est pas une voix tout public.
Ça va être avec la Suisse allemande. Oh, un vrai cabri. Elle arrêtait pas de chanter du Handel en grimpeux. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai baptisé comme ça, cette voix. Ah, à toi la gloire, c'est du Handel. Ah ouais. Bah ouais, tu croyais quoi, patate? Ah non, je... Salut, Beauchâtet. Ouais, on était peut-être un petit peu trop pressés. C'était peut-être pas une bonne idée, le selfie dans le surplomb, hein, Maxence? Non. J'étais là, avec mon téléphone. Et pouf. Bon, bah, c'est messieurs les fantômes, on va... Nous, on va y aller, hein, Cindy. On va redescendre avant la nuit, je pense. Ouais, c'est ça. Adieu. Nous, on va rester encore un petit moment. Regardez les secours arriver. Ils vont bien galérer à retrouver nos bouts. Veillez-vous sur le chemin, les gamins. Salut, vieux caillou. En montagne, des fois, on arrive à se poser les bonnes questions. Vous foutez quoi à torse-poil? En fait, la montagne... Elle permet de se regarder mieux en face. Un peu comme dans un monstre grand miroir. Oh,